Stay Busy, épisode numéro 16. Bon début de semaine à vous tous. Si vous êtes du département marketing, je vous souhaite de générer une tonne de leads qualifiés. Et si vous êtes un sales ou un commercial, je vous souhaite de transformer un maximum d'opportunités en clients. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui m'a permis de clairement transformer ma carrière professionnelle. Ça m'a permis, premièrement, de prendre confiance sur mes connaissances et, deuxièmement, de gagner en considération lorsque je me retrouvais avec différents interlocuteurs qui pouvaient me permettre d'avoir des opportunités dans ma carrière. Clairement, me former, c'est ce qui a clairement permis de faire levier dans ma carrière. Désolé, il n'y a pas de formule magique pour moi, en tout cas. C'était vraiment me former. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le contexte dans lequel on est actuellement, c'est qu'on peut clairement se former en ligne et pour 0 €. Comment j'ai découvert les formations en ligne? Je vais vous expliquer ça. C'était en 2015. Je découvre la plateforme edx.org. edx.org. Plateforme incroyable qui regroupe les formations en ligne, en e-learning, gratuit ou payant, ça dépend du cours, et évidemment des plus grosses universités au monde. Et là, on parle de MIT, Harvard, Berkeley. Franchement, c'est juste pour citer les plus connus. Il y a même l'université de Louvain qui est en Belgique, qui est une très bonne université, qui a des cours en ligne sur edx.org. Et moi, je découvre ça en 2015. Et je me découvre une nouvelle passion qui est la formation en ligne. Et c'est un moment clé ou un moment où je consomme énormément de vidéos sur YouTube et je suis à chaque fois coincé parce qu'une vidéo d'une heure, c'est une heure, on ne rentre pas assez en profondeur et il n'y a pas assez de contenu pour pouvoir vraiment développer une expertise par la suite ou pour affiner une expertise ou une heure, ce n'est pas assez. Et donc, je découvre edx.org et je découvre une formation avec un topic qui me bam bam, me tape à l'œil directement. Introduction to Music Business. Moi qui suis un passionné de musique et évidemment d'industrie de la musique, je me dis, ah ouais, super, une formation avec une trentaine d'heures de cours pour me permettre d'avoir une introduction et de comprendre un peu l'industrie du disque. Formation incroyable. Et depuis cette formation en ligne, j'ai eu la fièvre, la passion pour le fait de me former en ligne. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire une tonne de formations. Dès que j'avais du temps libre, je me formais. Quand je n'avais plus de travail, que je perdais un emploi pour X ou Y raison, ou que je n'avais pas d'emploi, je me formais. Quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis formé en ligne. Et c'est clairement ces formations qui ont réussi à m'ouvrir les yeux sur, premièrement, le fait de comprendre que le contexte actuel et le domaine dans lequel je suis font que je vais devoir me former constamment. Il n'y aura pas une année où je ne devrais pas apprendre. Et ça, je trouve ça génial. Peut-être pour certaines personnes, c'est une contrainte, mais pour moi qui adore apprendre, et le e-learning, c'est vraiment fait pour des personnes comme moi qui ont besoin de vidéos, d'audio, de pouvoir
recommencer, d'avoir du texte à côté aussi, ça peut aider, même si c'est vrai que moi, c'est plutôt la vidéo et l'audio qui me permettent de mémoriser. Bref, c'est grâce à cette formation Introduction to Music Business que j'ai eu vraiment la fièvre de la formation en ligne. Et ce qui a vraiment changé même mon approche marketing, c'est HubSpot Academy. HubSpot Academy a complètement changé mon approche marketing, c'est l'inbound marketing tout simplement. Et le fait de pouvoir me former sur HubSpot Academy, là c'est encore un autre niveau de formation en ligne totalement gratuit, c'est qu'on a des certifications. Même pour edX, hein, il y a des certifications totalement free qu'on peut mettre sur sa page LinkedIn. HubSpot Academy, la force d'HubSpot Academy, c'est que les certifications valent réellement quelque chose sur le marché. Pour les autres aussi, hein, ce sont des grosses universités, mais c'est difficile d'avoir quelque chose d'aussi qualitatif que HubSpot Academy pour les formations marketing inbound et tout ce qu'il y a autour de l'inbound marketing. C'est super qualitatif. Et moi, ça m'a permis, à un moment où j'avais le temps de me former 2-3 heures par jour, ça m'a permis mais vraiment d'emmagasiner un tas de connaissances et de les appliquer directement. Parce que j'apprenais sur des topics qui étaient des réelles problématiques à résoudre dans le cadre de mon travail. Exemple, comment créer des bonnes landing pages, comment créer une bonne stratégie de content marketing. Tout ce genre de topic que j'ai pu aborder grâce à HubSpot Academy. Ça a complètement changé ma carrière parce que les personnes sont demandeurs d'inbound marketer, de growth marketer. Les personnes sont demandeurs. Et quand je dis que c'est la même chose, c'est parce qu'au fait, les personnes sont demandeurs de marketeurs qui ont une approche full funnel. Et qui dit full funnel dit une approche alignée, une approche marketing. Donc une approche où on maîtrise chaque étape du parcours client. Ce n'est que ça. Et clairement, HubSpot Academy permet de skyrocker la chose. Autre tournant, et c'est pour vous dire vraiment la psychologie aussi des consommateurs par rapport aux formations en ligne, et je prends mon exemple. J'ai commencé en 2015. Chaque année, je faisais au minimum 3-4 formations en ligne quand on compte en moyenne jusqu'à aujourd'hui. Et c'était à chaque fois des formations free, gratuite. La première fois que j'ai payé une formation, c'était en juillet en ligne. Hein. Une formation en ligne, c'était en juillet 2021. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment la première fois où j'ai sorti de l'argent. Et j'ai sorti 1250 € pour une formation en stratégie de croissance, Growth Strategy, avec Growth Tribe, qui est pour moi dans le top des ressources en termes de growth marketing. Je les suis depuis 2015. Et ils m'ont apporté tellement de valeur qu'au moment où j'étais clairement prêt financièrement à mettre ma main dans le portefeuille pour pouvoir payer des formations en ligne, je l'ai fait directement avec GrowthTribe parce que j'avais une totale confiance dans leurs produits. Et j'ai fait cette formation
en juillet. Elle m'a apporté énormément de valeur, mais vraiment énormément de valeur, énormément de ressources. Et j'étais tellement content que j'ai refait une formation de septembre à novembre, 6 semaines, sur le leadership, toujours avec Bruce Tribe, Rethink Leadership, qui a aussi complètement bouleversé ma manière d'envisager le business et de comprendre le fonctionnement d'une entreprise dans le contexte dans lequel on est actuellement. Et donc, des fois, les personnes me demandent, est-ce que les formations en ligne payantes ont de la valeur? Moi, je vous dis, oui, elles ont de la valeur. Et moi, mon objectif avec le cours en ligne que j'ai mis en place, Smarketing Canva, c'est de permettre aux responsables marketing et vente, c'est leur permettre d'avoir un outil pratique et un apprentissage rapide en 6 heures sur 2 modules à faire en 2 jours. E-learning, apprentissage pratique rapide pour permettre d'élaborer une stratégie marketing-vente alignée, à savoir définie à chaque étape du parcours client. Donc voilà, formez-vous en ligne. Il y a plein de formations qui sont totalement free. Je vous mettrai les liens et vous verrez, ça va clairement vous redonner confiance en vous. Vous aurez confiance en vos acquis et clairement, ça va vous faire gagner en considération. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à demain. Ciao, ciao.